Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un combat de titans. Kenny Omega a pris une machine à remonter dans le temps et il affronte The Undertaker de 1995. Ça peut être cool de voir un combat comme ça. On a NXT Takeover in the House, je crois que ça s'appelle comme ça. Si je dis une bêtise, bah comme d'hab, hein. Je sais que vous serez là pour me corriger. Et si vous avez envie de proposer tout plein de matchs, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait 3 vidéos qui étaient proposées par des abonnés et là, je me fais. Ce petit match qui était proposé par moi. J'avais envie de le faire, j'ai vu qui j'avais dans mon jeu. Et parfois c'est bien aussi de ne pas faire uniquement que les combats des abonnés et de mixer un peu tout ça. Après, si vous voulez, dans les commentaires, être la prochaine vidéo, n'hésitez surtout pas. Ce sera avec grand plaisir. Oh là là, Kenny Omega, quelle puissance! On va essayer de faire tomber le titan. Parce que là, on va affronter quand même un Undertaker qui n'a peur de rien. Je dirais même, il a peur de personne. Et croyez-moi, il va avoir peur de moi. Vas-y. Ouf, ouf. Ah, ah, ouf. C'est quoi ce contre de fou, là? Après, on l'a bien contré, nous aussi. Hein. Ah, c'est la première fois que je le vois, d'avoir ce contre-là sur au niveau du coin. Putain, je vais retenter. Attention. Eh ben non, je retente pas. Eh ben, vous y avez cru? Eh ben non. Arrête! Je dis d'arrêter, tu vois. Si t'avais été gentil, t'aurais pas à subir tout ça. Les coups de coude. Et le finisher. Parce que si on peut le placer tranquillement. Parfait. Oh là! Qui est la lumière? Il fait tout noir! Il est derrière nous! Undertaker! Au secours! Elle nous a fait un rire! Un rire, un grognement plutôt. Parce qu'il rigole comme ça. Je t'avoue que j'aimerais pas l'avoir comme pote. Ça ferait flipper. Mais il faut faire gaffe. Parce que là, tu sens qu'il est énervé. Quoique, il a beau être énervé, nous aussi on est énervé. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi ça. Petit jeu de jambes là. C'est qu'il a la puissance, mais nous on a tout le reste. Let's go! On lui laisse aucun moment de répit. Aucun moment, je dis. Faut que ce match se finisse vite et bien. Prouver au monde entier qu'on peut revenir dans le passé et remporter un combat contre eux. Une personne surpuissante. Elle a vraiment aucune chance depuis tout à l'heure. Il joue bien, hein. Mais c'est juste qu'on joue mieux. Voilà, il n'y a pas à dire. Oh, le petit coup de talon. Allez, let's go. Alors, je pense qu'on peut limite le finir. Parce que vous en pensez, mais... Je pensais qu'il nous aurait causé... Ah, peut-être que non. Oh, il nous a contré spécial. Je pensais que j'ai placé le finisher, mais non. Je ne l'ai pas encore placé. Jouer ça... Il faut donner un peu d'encouragement. Vous voyez, même avec l'encouragement, son spécial, on l'a contré. Pourtant c'est Kenny Omega, hein. Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux faire face à lui? Let's go! Oh, attention, attention le dos! Attention! Ça va. Il m'a fait un peu peur, vous l'avez vu. Alors que le public scande le nom de l'Undertaker. Nous on fait des jongles avec la tête de ce monsieur. Voilà la grosse bagarre. Il a dit moi je suis team violet, mais je dis non. Moi je suis team bleu. Qu'est-ce qu'il y a? Youho, talalao. Il peut rien faire. Il peut littéralement. Et ça fait 3 fois qu'il me contre. Aïe. Mon spécial. Va te calmer. Ah tiens, voilà. Fallait qu'il le fasse. Mais il réussira pas. On est un petit peu trop en forme. Plus tard, ça peut nous causer un problème. Je dirais même un très gros problème. Mais pour l'instant, on est OK. Ça y est, il s'est réveillé. J'avais dit qu'il n'était pas trop dans le match. Mais il nous prouve que si. C'est le moment de le mettre en paralysie. D'ailleurs, si on le met en paralysie, voilà. J'ai l'impression que ça fait la 50e qu'on place.
Il prend vraiment très très cher. Allez, sous son masque. Un petit peu de sang. Ça, ça passe, bien sûr. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. 0. Voilà. Vous étiez prêt à compter. Ah, vous aussi. Malheureusement, compter c'est bien. Réussir c'est mieux. Allez, pousse-toi de là. On est un petit peu trop ambitieux. Oh, ça fait 2. J'y ai cru. Ouais. Fais gaffe. Et non. Voilà. Vas-y, Kenny. Let's go. Le spécial. Et on enchaîne avec le finisher. C'est fini. On a gagné. On a gagné. Je vous le dis. Il ne peut strictement... Pourquoi il a fait ça? J'étais parti pour faire un tombé. Si t'as pas trop envie. Voilà. Pour le public. On a mis une petite couche. Allez, let's go. À part s'il a la révolte, je sais pas s'il l'a déjà utilisé. Eh ben non. Franchement, à un moment, j'ai un petit peu peur, mais on l'a dominé et surdominé. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que comme je l'ai dit, Kenny Omega, la personne qui l'a créé, lui a fait une note d'uniquement 75. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut.